Bonjour. C'est la plus mauvaise intro que j'ai fait, je crois. Putain. Bonjour à tous, c'est Matt et on se retrouve à l'arrache sur Hearthstone, le jeu que vous avez tout entendu parler, malgré mon inoriginalité. Je vais vous présenter le jeu parce que c'est une bêta. Je vous l'avais dit, il y aurait des bêtas. Bientôt public d'ailleurs, bêta bientôt public. De toute façon, je crois que c'est destiné à être un free-to-play avec un petit peu de pay to win. Non, non, mais je. Enfin, voilà quoi. Alors, attention, vous êtes sur le point. Bon, ils font un attention quand même, même s'il est pas assez gros à mon goût, mais ils font un attention. J'ai même pas fait de test son, d'ailleurs. Je vais juste voir si le son est. Voilà, on peut y aller. Alors, à savoir que j'ai fait un petit peu planter, que j'ai un peu refait la vidéo parce que je me suis planté. Voilà, c'est tout, y a rien à dire. Donc, je vais vous montrer brièvement le jeu qui a des parties, des entraînements. Un journal et une boutique. Donc la boutique basiquement c'est un prix tout. C'est une bêta fermée qui va devenir bientôt ouverte et qui va être aussi au final un free to play avec un peu de pay to win. Donc je sais plus si je l'ai déjà dit, c'est pas grave, comme ça vous aurez un petit double sympathique et avec le petit attention. Alors, le journal. Donc ça vous montre les quêtes pour gagner de l'or qui va vous servir à gagner, à acheter des packs, ou alors soit à faire des victoires d'arène, enfin à faire des decks d'arène. Donc là, c'est la zone pour ouvrir des paquets. Donc normalement, je vous ai enregistré un petit bout de vidéo où j'ouvre un paquet parce que j'ai pas envie de le refaire 30 fois, étant donné ma fortune peu énorme. Donc, alors quoi, qu'est-ce que quoi? Et ben là, c'est un jeu de cartes, en fait, je l'ai pas dit, oui. C'est un jeu de cartes, donc on trouve ici les... Ouh, c'est quoi ça? Ouais, on trouve toutes les cartes pour composer les decks. Oh, j'ai une carte épique. Oh, c'est épique. Ok. Ok, donc on va jouer avec le deck chasseur. Je pense pas qu'on va trop en faire de deck. J'imagine faire à peu près un entraînement et deux parties. Je vous montre par exemple le deck mage. Et on va faire, donc vous voyez, soit il y a les 9 combattants en normal ou en expert. Bon, on peut tester expert, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Je sais plus qui j'ai déjà affronté. Bon, dans le doute, on va affronter un chasseur. Parce que c'est la classe que je vais jouer après. Normalement, je vais essayer de la jouer. Donc, vous verrez à un haut niveau en quelque sorte, avec des bonnes cartes, comment on le joue. Voilà. Bon, je suis pas très expressif. Hein. Je rentre de l'école. Aujourd'hui, pas de pétage de câble parce que je suis posé. Jaina contre Rexar. Donc, c'est un jeu qui est basé sur l'univers de. Vous l'avez cherché. Warcraft. Donc là je remplace les cartes. Bon, je sais que plein de gens l'ont fait, hein, comme j'ai pu le dire plus tôt, ce jeu, mais c'est pas grave, hein. Je vous ai prévenu qu'il y aurait de la bêta, et il y en aura, car j'ai déjà tourné une vidéo qui devrait arriver dans pas longtemps. Alors, il sort ça à lui. Alors j'ai le choix, soit je commence avec ça, soit avec ça. Alors soit je peux mettre les deux. Oui, ça va être génialement. Regardez ça. Tac. Tac. Et là. Là j'ai eu un bon tirage de début. Même si je gaspille. Enfin je gaspille entre guillemets. Pas mal de cartes. Oula. Ça va pas me plaire ça. D'accord, et ça lui fait piocher des cartes. Donc on va vite se débarrasser de cette connerie si vous voulez mon avis. Ah quoique. Je peux l'anéantir. Ouais, ça serait con de faire ça quand même. Oui, ça me paraît beaucoup plus intelligent. Et je vais taper lui. J'ai pas envie de ces conneries sur le terrain. C'est là tout du chasseur. Eh d'accord, ouais, génial. Oui, bien sûr, une bête 1-1 Furie des Vents, elle sort d'où celle-là? Furie des Vents permet de taper deux fois lors d'un tour. Vous voyez qu'elles ont tous des passifs. J'aurais peut-être fait ça. De toute façon, ils peuvent pas buter encore mes deux provocations. Donc,
Ce qui serait sympa, c'est encore de booster. Ouais, je vais faire ça. Je vais booster encore mon truc. Allez, un petit mage. Oh, dommage. Lol. Et là, je vais. Et c'est connerie. La partie finale, il peut duer les deux. Oh, techniquement, non. C'est pas grave. Au prochain, j'en verrai peut-être. Oula, un secret. J'aime pas les secrets. Eh bien, je. Ah, il va me taper. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas grave, ça l'enlève. Et je peux taper un dernier coup, peut-être à 5. Quoique, je vais pas prendre de risque. Parce qu'avec le secret, on sait jamais. Ok. Tac, bon, il a pas beaucoup de vie, mais on a déjà bien progressé. Provocation, je vais pas me player ça. Je crois que je peux le geler, donc ça va. Enfin, je peux le tuer. Je peux le tuer, et ça c'est pas mal ça. Hop. Je ne peux pas tester. Là. Oh, enculé. Bon, c'est pas grave, je tue quand même lui. De ce fait, j'augmente puissance de la Wyrm. Putain, là, c'est vraiment une partie réglée au poil. J'ai vraiment eu de la chance. Ah merde. C'est quoi son secret? Donc, dès que j'invoque un truc, ça tombe bien, j'ai pas de créature. Aïe. Ah, l'enfoiré. Bon, pas grave, ma provocation aurait été utile parce que du coup, maintenant. Eh ben, attends, j'ai gagné ou quoi? Ah non, oui, si, j'ai gagné. Samouraï! Cette partie était impeccable. Ouais, j'aime beaucoup utiliser les Wyrm, on dirait pas comme ça des cartes plutôt basiques. Je vais vérifier que le son est bien record parce que j'ai peur que ce soit trop fort là. Ouais, ça m'a l'air bon. Donc on va continuer. Vous allez peut-être entendre du bruit, mais c'est pas grave. Alors. On va se barrer d'ici et on va faire une petite partie. Je ferai pas de partie d'arène parce que ça me coûte 150 gold. Je vous dis juste ce que ça fait en fait, c'est que ça ajoute. Bon, en fait, vous pouvez faire un. Comment ça s'appelle? Vous pouvez. Attendez, ça va revenir sur moi. Oui, en fait, on vous propose 3 decks différents. Enfin, 3 personnages différents. Et après, vous construisez un deck avec des cartes qui vous donnent. Donc, en général, il y a des trucs pas mal, de bonnes cartes par rapport à vos cartes normales. On va prendre mon deck chasseur. Je l'aime bien, même s'il a été nerf. Et on va faire une partie normale et une partie classée. Les parties classées, j'ai jamais fait. Enfin, si je peux, hein. Je sais pas si je peux. Donc là, on est en train de rechercher un mec en face. J'espère qu'il va pas capituler dès le début parce que c'est bien arrivé. Et enfin, je trouve vraiment chiant quand il capitule avant la fin. Par exemple, ça arrive. Excusez-moi, j'ai le nez un peu pris. Ouh. Un garoche. Ça faisait longtemps, dis donc. Oula, j'aime pas ce début. Personnage attaque votre héros, il attaque. Bon, alors c'est un peu risqué, mais je vais tout changer parce que j'aime bien avoir des cartes 2, 3, 1 comme tout le monde. Hein. Aïe, aïe, ah ça, ça va. Putain, j'ai reçu la même. Ça va être compliqué, surtout que lui il va se charger d'armure, cet enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être facile, je vous le dis. Bon, je peux potentiellement mettre ça au tour d'après. Ça serait peut-être une erreur. Je vais voir ce qu'il fait. Bon, lui va se charger en bouclier, ça m'a l'air juste évident, à moins qu'il ait des cartes à poser. Oh putain, l'enfoiré. Ouais. Pas grave, gaspillage sur moi. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ouais, ça c'est pas super. Ouais, ouais, je vais mettre ça. Bon, à mon avis, il va chercher à le tuer, ça me paraît évident. Avec ça. Ouais, comme ça, il trade pas. What? Ouais. Mais t'aurais pu me taper, hein, au cas où. Ouais, bon, je sais pas, c'était très étrange. Je vous aime. Et là, je vais prendre la baisse. Tac.
Vas-y, trade mon gars, trade. Enculé. Tac. Travail terminé. Là ça va, ça se présente plutôt pas mal. Au prochain tour je mets ça, il va être bien emmerdé. Et après je mets ça, et là ça va être le bordel. Bon, ça c'est plutôt à mettre ton poste pour le cas. Oula. Pas grave, tu trade. Tac. Ok. Pas mal joué. Pas mal. Bon bah c'est évident, je vais faire ça. Le prochain tour je vais essayer de placer celle-là. Monsieur Orion. Créer de garde vos équipes d'une arme de 2. Putain mais il a que ça en fait, je vais jamais jouer contre un guerrier de 2, oui. Celle-là elle me coûte que 4 mana, ouais. C'est un bon combo, je vais la défoncer. Comme ça il me reste encore 6 de vie, c'est vachement potable. Ça m'a l'air plutôt tranquille pour l'instant. J'ai juste vérifié le son une deuxième fois. Tac, tranquille, alors il va se passer quelque chose. Oh non, il a détruit ma carte, comment il a fait? Ah. Ah ok. Mais c'est pas grave. Oh, bah les couilles. Il faut les... On va le faire en mode rush. Tac. Bon, normalement les trucs que je viens d'utiliser c'est plus sur les... Merde, j'avais pas vu, il avait ça. Fuck. J'aurais dû essayer de faire un truc de... Ouais, j'ai vraiment une provocation. Dommage. Bon, ça va être pas mal, vous me direz. Ça me fait qu'une bête. En tout cas, il a l'air bien emmerdé. Bah, il va me taper moi, là. Attends, il est deux. C'est putain de pété, c'est tout. Ah non, il va tuer lui. Ouais, ouais. C'est cool, il trade un coin en plus. Et là, j'invoque ça. À moins que je gagne une autre carte. Ah, oh, ce serait bien un petit raptor encore ou un crocodile. Attendez, il a encore 5 de mana. Bon, en attendant, je vais vous montrer qu'on peut s'amuser avec le décor. Ah, bah non. Oh. Oh yeah. Oh yeah, motherfucker. Oh oh. Je vais bien tirer profit de cette carte. Je le sens. Il est dans la merde là, je voulais que je vous dise. A mon avis, il va taper celle-là, il va se mettre bouclier, il va taper celle-là déjà. Mais c'est pas grave parce que le prochain tour, je renvoque une bête. Gagne des points d'attaque d'un moment équivalent. Attends, quoi? Wouah! Wouah, c'est pété ça! Par contre, il est un peu con. Non. What the fuck? Wow, le mec. Oh. Ah bah c'était pas mal hein. Et dommage pour toi. C'était bien joué. C'est mal. En tout cas, c'était très impressionnant son coup là. J'avais jamais vu ça quoi. Autant d'attaques d'un coup. Ok. Bon, on va montrer une partie peu. Bon, on va essayer le mage en classé. Hein. J'ai jamais fait des parties classées encore. On va voir. Je vous montre le truc. Hein. J'ai rien à vous montrer. Excusez-moi. Oula. Prêtre contre un mage. La lumière nous apportera la victoire. Ouais, moi non plus. Génial. Ouh, bon deck de départ ça. J'aime. C'est
c'est très bien ça. Il manquerait plus que la Worm. Magique. Salut, le prêtre est très puissant. Bonjour. Oui, on peut se parler comme ça. Je gagne pas d'intérêt, surtout si j'ai la Worm, je préfère garder la pièce. Parce que en un tour ça veut dire à peu près 2, ça lui ajoute 2 dégâts, puis ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Tac. Comme ça que je vous ai pas dit, mais c'est les pouvoirs héroïques, tout le monde en a un et on peut avoir des armes sur le côté. Ah bah c'est nickel que tu mettes ça. C'est magnifique. Alors. Et tac. Allez. Oui. Bravo Thierry. J'ai eu de la chance. Enfin je voulais peut-être. En fait je voulais soit 2, soit 4. Malheureusement, bon, il y a 3 et 1. Oula. Oulala. Ça va pas plaire ça. Il a combien de vie? Ah c'est con. C'est très con. C'est très con pour toi, monsieur. Malheureusement. Malheureusement. Ça fera pas le poids. J'ai plutôt une bonne main pour l'instant. Parce que j'ai 2 dégâts des sorts plus 1. Et c'est plutôt puissant, vous l'aurez vu. J'en ai même un court là. Ouais, ouais, j'ai fait un deck puissance des sorts. Oula, oula, oula. Alors lui, il faut le one shot. Lui, il faut pas le toucher plus d'une fois. Ah bah genre avec ça quoi. Mais ça m'embêterait de l'utiliser. Oui, je préfère le geler à la rigueur. Qu'est-ce que je peux faire? Non, faut que je mette mon enchaînement. Ouais, n'empêche, je suis dédicacé. What? Oups. Ah j'ai mis ce clic les mecs. What the fuck. Ah tu es moi. C'est quoi je me mais what the fuck. Mec si j'arrive à perdre. Ah ça me ferait tellement chier. Hein. Mais non t'es gueule. Fais pas ça. Arrête. Oh il va le soigner en plus. Qui va se tuer au bout d'un moment. Ah quoi que non, il peut le soigner. Je vais me passer carte. Oh là 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 là. Bon, une créature 4-7, c'est toujours bien. Prêt pour ça. Putain, je peux même pas le détruire. C'est bon, c'est pas grave. Travail terminé. Oh j'ai mal joué putain. Ah ça me casse les couilles. En plus je suis sûr j'aurais gagné quoi. 8 points de dégâts il serait à 12 quoi. Oh la boulette. Oh le mec. Oh je suis dégoûté. Mais what the fuck. Le mec il se tire des boules de feu sur lui même quoi. Allez c'est bon. Allez donne moi une boule de feu toi. J'étais sûr, putain. Ah, quoique. Ouais. Ouais, n'empêche qu'il me faut un truc, là. Ah, quoique ça me sauve bien, ça. Il a attaqué avec lui, encore. Ouais, il a attaqué, il a 8. Mais ça n'est pas lui, hein. Alors, on aura tout vu. Ouah, le mec. Putain, c'est vachement beau, ce qu'il fait, hein. Malheureusement, je vais devoir stopper son petit jeu là. Parce que... C'est pas que ça me casse les couilles, mais en tout cas. Hop. Ouais. Bon, bah c'est dommage, je crois que je vais perdre cette partie. Parce que là, 6-8, ouais, t'es rien que ça, je suis dans la merde. Surtout que j'ai plus de grosses flame strike et tout, j'ai plus de dégâts des sorts. Oh, je suis dégoûté. Mais c'est quoi ce machin? C'est quoi ces cartes? Oh, c'est n'importe quoi ces cartes, mec.
je peux pas l'achever. Ouais, bah, je crois que j'ai perdu. Hein. Bon, on va faire durer le plaisir. Parce que... Oh non, putain, ça le soigne en plus. Ah, mais ça va, c'est aléatoire. Ouais, bah, j'ai pas compris. C'est bien ça. Comme ça, au prochain, je t'élimine. Ah, je me disais, mais pourquoi il est mort celui-là? Pourquoi il est pas mort celui-là? What? Je suis dans la mouise là. Quoi qu'il a plus beaucoup de cartes. Mais bon, il peut presque me tuer avec ça. Ouais. C'est quoi encore ça? Casse-toi, c'est quoi ça? Le Sinawak. Oh yeah. I'm agree with that. Mais bon. Ça n'en fiche rien. Ah. Ah oui. Bien joué. Dommage. Bien joué. Finish. C'est là que je capitule. Ah, putain. Oh, c'est dommage. Bah, si j'avais tiré sa boulette, peut-être qu'il serait pas encore. Eh, dommage, t'es dommage. Eh ouais. C'est le jeu. Oh, ça rapporte plus d'XP. Bon, bah, on va finir là-dessus. Tac. Je me tire un petit peu. Ah, nickel. Alors, ma collection, je vais quand même montrer mon dégommage. Alors. Ouais. Oh, ça va, j'ai des trucs. J'aime bien en tout cas, il est bien équilibré. J'ai pas trop eu de ça là, ces aimantaires d'eau, je les adore. J'en ai pas trop eu. Choc de flamme, j'en ai qu'un. Schéma, j'en... Non, on a. J'ai juste mis clic quoi. Bon, bah tant pis hein. Et le chasseur. Hop. Tac, bah que de la bête. Hein. Que de la bête. Tac, à part celui-là qui provoquait une bête alliée, mais. Sinon que de la bête. Celle-là que j'ai pas eu aussi, qui est très intéressante. Une fois j'ai réussi à la monter en 6-5 ou 7-5, je sais plus, au troisième tour. Donc c'est vachement puissant. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus, sur ce petit jeu sympathique. Alors on n'aura pas rempli de quêtes aujourd'hui. Même pas, ouais, parce que je joue ni prêtre, ni démoniste, ni paladin, ni prêtre, ni chaman, ni démoniste. Oula, c'est pété, si je fais deux victoires avec un prêtre, je gagne 80$. Bon, à plus